Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un plaisir renouvelé que nous, avec un plaisir renouvelé que nous vous retrouvons ce soir dans le cadre de votre débat dominical, scène de presse autour de la table, des journalistes triés sur le volet et des experts connus et reconnus. C'est notre 519e numéro. Au menu ce soir, année scolaire 2018-2019, jour 1, ce lundi 3 septembre, après 3 mois de vacances, des milliers d'écoles. Les élèves reprennent le chemin de l'école dans quelques heures. Une année scolaire placée sous le signe de l'innovation, entrée en vigueur de nouveaux curricula, adoption de nouveaux programmes, réintroduction du livre unique par matière et par niveau, et enfin paiement des frais de scolarité et d'examen par mobile money. Nos invités apprécient les réformes ce soir. Chine Cameroun, les clés d'un partenariat gagnant-gagnant représenté au plus haut niveau de l'État. Notre pays prend part dès ce lundi au 7e forum de la coopération sino-africaine en Chine. Vendredi dernier, le président de la République, Paul Biya, et son homologue chinois ont pisté les voies de renforcement de la coopération entre le Cameroun et la Chine. Premier partenaire économique du Cameroun avec 3 000 milliards d'investissements en 11 ans, la Chine a pour elle la balance des échanges. Comment rééquilibrer cette balance pour que le Cameroun tire encore plus de bénéfices de cette relation avec l'Empire du Milieu? Réponse de nos invités dans cette édition de Scène de presse. Également au menu ce soir, vos rubriques habituelles et en première ligne ce soir, le Focus, le directeur général de la CRTV, déroule pour ainsi dire le plan de la campagne présidentielle 2018 pour la chaîne Leader. Charles Ndongo est en Focus dans cette édition de Scène de presse. Sur la longue liste des fournitures de cette rentrée scolaire 2018-2019 figure en place de choix le livre. Cet outil pédagogique indispensable pour véhiculer le savoir à l'école fait pourtant l'objet de polémiques en cette veille de reprise des classes. Les livres sont bel et bien, pour la grande majorité, disponibles, mais dans les bonnes librairies qui ont de l'argent pour faire des approvisionnements auprès des éditeurs. Ceux qui prétendent qu'il n'y a pas de livres dans les librairies, ce sont les petits libraires qui parfois n'offrent aucune garantie aux éditeurs que les livres vont être vendus et les paiements effectués. Montré du doigt, le Syndicat national des libraires et papetiers du Cameroun se défend. Les livres sont bel et bien disponibles dans les maisons d'édition. Nous ne serons distribués, acceptés, la distribution des livres dont les éditeurs ne respectent pas la marge bénéficiaire des années antérieures. Ce n'est pas loyal ce que ces éditeurs ont fait. Asva, Dove, Afredit, Vivance et consorts, leurs ouvrages. Les parents peuvent aller dans les domiciles de ces éditeurs pour acheter les livres. Si les quelques éditeurs dont nous avons cité ici réussissent à imposer leurs 10% ou leurs 15% de remise, alors tout le monde va s'engouffrer et finalement le libraire va devenir l'esclave de l'industrie du livre au Cameroun. Entente ou pas entre les parties en cause, le train de la rentrée scolaire quittera la gare ce lundi 3 septembre 2018. Alors, nous allons plutôt eu un reportage, le focus. Le focus, nous allons le retrouver dans quelques instants. Là, vous avez eu droit à notre zooming du soir. Nous allons retrouver le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, qui déroule, pour ainsi dire, le plan de campagne de la présidentielle tel que conçu par la chaîne Leader. Charles Ndongo est en focus dans cette édition de Scène de presse. Grande ligne de notre plan de couverture, c'est d'abord, encore une fois, d'offrir la visibilité à tous les candidats. Les grandes lignes, c'est de refléter l'ambiance de pré-campagne, l'ambiance de la campagne, le moment venu, et actuellement, l'après-élection. Dans la sérénité, c'est ce que nous souhaitons. Dans la sincérité, parce que le vote doit être sincère. Nous voyons bien que Elecam
est en train de s'organiser pour une élection propre. Eh bien, nous aussi, nous essayons de nous organiser au niveau de la CRTV pour une couverture équitable. J'entends bien. C'est-à-dire que je ne veux pas qu'un candidat se plaigne qu'un de ses meetings n'a pas été couvert. En revanche, je veux qu'on comprenne que nous n'allons refléter que la réalité telle qu'elle se déroule sur le terrain. Nous n'allons rien inventer. Nous n'avons pas frustré les candidats qui vont avoir 30 meetings et nous n'allons pas frustrer non plus les candidats qui n'auront que 2-3 meetings. Mais que les candidats qui n'ont que 2-3 meetings comprennent que nous ne pourrons pas non plus laisser sous les teignoirs ceux qui organisent beaucoup de meetings. Nous allons essayer de faire des synthèses pour que le tableau ne soit pas trop déséquilibré. Mais ce qui compte, c'est encore une fois l'équité, l'honnêteté et d'offrir les mêmes chances à tout le monde. Il ne faut pas trop insister sur le spectacle. Le spectacle aussi fait partie de la démocratie. N'oublions pas que nous sommes dans le jeu médiatique, qui est une traduction du jeu politique et donc du jeu démocratique. Tout ça, c'est le jeu. Moi, je vois le candidat Cabral Libi qui conteste ce qu'il a accepté avant d'entrer en studio. Je vois le candidat Darga Amanajin, qui est un notable, respecté par ailleurs, qui ne veut pas débattre avec tel ou tel, ou alors qui ne comprend pas ce que fait une journaliste. C'est un peu dommage, parce que la démocratie ne peut pas se faire sans les journalistes. Donc les candidats devraient avoir un minimum de respect pour les journalistes. Mon Dieu, moi j'ai reçu comme directeur général ma collaboratrice, qui avait donc essuyé les foudres du candidat, pour lui dire que bon, il faut s'habituer à cela. Les gens ont pensé qu'il pouvait y avoir un autre scénario dans lequel le journaliste animateur du débat aurait plutôt expulsé le candidat qui s'était mal tenu, il faut bien le reconnaître. Mais il faut savoir que cette émission a été créée pour les candidats. 100% présidentiel, nous devons être d'accord. C'est pour, on va dire, les offres politiques. Soyons clairs, nous ne voulons pas nécessairement obliger les candidats. Si les candidats estiment que, bon, ils peuvent faire vendre leurs produits, leurs programmes par leurs représentants parce qu'ils sont eux-mêmes sur le terrain, donnons leur crédit de cela, pourquoi pas? Les gens veulent absolument débattre avec le président Biya. Le président Biya a une autre stature aussi. Même s'il est président candidat, il faut respecter ses statures. Nous avons une élection à un tour. Avec qui le président Biya viendrait débattre? Qui on va quand même pas organiser 9 débats parce qu'on a 9 candidats. L'élection, si elle avait été à 2 tours, on aurait pu, il y aurait eu un écrémage au premier tour pour que se dégagent 2 candidats. À ce moment-là, on aurait pu imaginer, comme cela se fait ailleurs, un débat entre les 2 tours. C'est pour ça que nous avons mis en place une émission qui permet de que les candidats viennent exposer leurs idées, ou eux, ou leurs représentants. Ça peut même aller plus loin. J'ai même indiqué que si un candidat qui ne veut pas venir, qui ne veut même pas envoyer son représentant, on peut faire un élément sur lui, un élément de 3-4 minutes qui dit « voici les idées de... » Le directeur général de la CRTV en focus dans cette édition de Scène de presse. Autour de la table, Guy Zogo, journaliste à Equinox Télévision. Bonsoir Guy Zogo. Bonsoir Lucrèce. Docteur Étienne Taillot-Demanou, qui est journaliste et auteur du livre « Tout chemin mène en Chine ». Bonsoir docteur. Bonsoir Lucrèce. Également sur le plateau de Scène de presse, Paul Bienvenu Onana, il est inspecteur pédagogique national et chef de la section de philosophie. Bonsoir, monsieur l'inspecteur. Bonsoir, Lucrèce. Et puis tout à côté de vous, Sylvain Ndjongo, qui est journaliste à Investir au Cameroun et au journal Essingan. Bonsoir, Sylvain. Bonsoir, Lucrèce. Bonsoir aux téléspectateurs qui nous font l'amitié de nous écouter, de nous regarder ce soir. Alors, vous venez d'écouter le directeur général de la CRTV qui a déroulé, qui a levé un pan de voile sur le plan de couverture de la présidentielle 2018.
par la CRTV. Il est également revenu sur 100% présidentiel qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et c'est bien pour la CRTV parce qu'on est au moins sûr que nous sommes regardés. Alors, quelle réaction après cet élément du directeur général de la CRTV? Je pense que le directeur général de la CRTV, il est cohérent avec lui, mais vous ne voulez pas quand même que le directeur général de la CRTV se fasse harakiri. Il ne peut pas quand même venir critiquer la façon dont sont menés certains programmes de la CRTV. Il ne va pas quand même, on ne va pas attendre que le directeur général de la CRTV exige que le président de la République, candidat à sa propre succession, vienne débattre la CRTV. Donc, je pense que le directeur général de la CRTV est dans son rôle et de protéger également la CRTV, de protéger les journalistes de la CRTV. Donc, c'est un directeur général qui est cohérent. Merci, Sylvain Ndjongo. Monsieur l'inspecteur, la rentrée scolaire 2018, l'année scolaire 2018-2019, c'est dès ce lundi 3 septembre. Le train quitte la gare. Alors, est-ce que tout est prêt pour cette rentrée-là, tout au moins sur le plan administratif? Je le dis sous le contrôle de ma hiérarchie. La rentrée scolaire est sur la bonne rampe. Toutes les mesures idoines ont été prises et cette rentrée ne connaîtra pas de problème. C'est bien noté. Alors, vous avez la parole, vous la gardez. Cette année scolaire est placée sous le signe de grandes innovations. Nous avons choisi de n'en retenir que trois, notamment la réforme des programmes, la réinstitution du livre par niveau et par matière et le paiement des frais de scolarité par mobile money. Et je voudrais, si vous en avez convenance, que nous commencions par la réinstitution du livre unique par niveau et par matière. Qu'est-ce qui a motivé cette décision et comment est-ce qu'elle est accueillie dans votre milieu? Vous savez, le ministère des enseignements secondaires agit toujours par rapport à la demande de la communauté éducative nationale. Et vous le savez mieux que moi, il y a eu des récriminations par rapport à la pléthore de livres que traînaient nos petits frères et sœurs. Et vous avez vu comment la plupart des apprenants de bas âge, par ailleurs, croulaient sous le poids des livres lorsqu'ils allaient à l'école, étant menacés même en cela par des maladies comme la scoliose. Mmh. Et vous avez constaté que c'était vraiment inconfortable. Et le Premier ministre a justement signé un décret en novembre dernier instituant donc le retour du livre unique par matière et par niveau. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle-là dans le milieu, dans votre milieu? Cette nouvelle est salutaire. Mais je voudrais dire que ce qui avait cours avant, c'était par rapport aux besoins académiques. Parce que la science est devenu complexe. C'est Bachelard qui le dit, la science complique la raison. La science actuellement s'est complexifiée à telle enseigne que la spécialisation, elle vient très tôt. Et puis les domaines même d'apprentissage se sont multipliés à outrance. Cela fait donc que les pédagogues ont mis sur pied beaucoup de couloirs et en conséquence aussi, beaucoup de livres, beaucoup de documents. Mais cette façon de faire ne cadrait vraiment pas avec nos réalités quotidiennes et locales. Et cette mesure du livre unique par niveau et par matière est salutaire. Tout d'abord, oui, parce que cela évite à nos apprenants cette manutention excessive dont je venais de parler. Ensuite, parce que cela leur évite aussi la surcharge cognitive. Parce que en réalité, il y avait un livre, tout un livre pour les citations, tout un livre pour la grammaire,
tout un livre pour le vocabulaire. Et il était très difficile pour l'apprenant de se retrouver dans cette jungle de documents-là. Merci. Alors, Sylvain Django, vous, comment avez-vous accueilli cette mesure, mais surtout sa mise en œuvre dès cette année, dès cette année scolaire 2018-2019? Déjà, au moment où le Premier ministre a rendu public ce décret, je me suis dit qu'il devait avoir quand même un problème parce que les délais entre la publication de ce décret qui est annoncé pour l'année scolaire 2018-2019, les délais étaient très courts. Et nous voyons actuellement le problème qui se pose actuellement pour ce qui concerne la disponibilité des livres, des manuels, pour ce qui concerne le livre unique. Si vous faites un tour dans les librairies actuellement, vous allez vous rendre compte que le manuel scolaire n'est pas disponible à certains niveaux, dans certaines classes. Dans certaines librairies également. Mais moi, j'ai entendu dans votre... Il y a un élément qui est passé, un éditeur qui a invité les parents à aller dans les maisons des éditeurs pour chercher les livres. C'est quand même une curieuse consigne parce que les parents, leur rôle, c'est d'acheter un livre pour leur enfant. Le Premier ministre a donné quand même des indications claires, mais on se rend compte que cette indication n'est pas suivie des faits. Et donc, aujourd'hui, n'allez pas expliquer aux parents qui sont à la maison que le livre est disponible alors que leur enfant, dès demain matin, n'aura pas de livre. Alors, Étienne, détaillez-vous également, vous apposez cette mesure, comme le disait l'inspecteur il y a quelques instants, mais pour vous, c'est surtout pour les parents qui voient leur charge diminuer quand même. Oui, il faut déjà apprécier le fait que pour un décret de novembre, qu'on puisse mettre en application dès cette rentrée, parce qu'il faut le dire, il y avait quand même des gros intérêts derrière, c'est ça le problème. Mmh. Donc, je pense que ceux qui ont pu mettre en application cette décision-là ont abattu un très gros travail. Maintenant, il reste un deuxième palier qui est celui de la disponibilité des livres. Pourquoi les livres ne sont pas disponibles? Je crois que les livres ne sont pas disponibles parce que, m'a-t-on dit, beaucoup de livres ne sont pas imprimés au Cameroun. D'abord parce qu'au niveau de la répartition, les éditeurs camerounais auraient juste la partie congrue. Et les livres ne sont ce qui fait que l'imprimerie au Cameroun ne bénéficie pas de ces livres. Mais ça, c'est un autre débat. Selon les dernières informations que nous avons eues et puisées à bonne source, les livres sont bel et bien au Cameroun. Les livres sont disponibles au Cameroun. Le problème se situerait au niveau des marges bénéficiaires, mais surtout des petits libraires qui n'ont pas une grande surface financière pour pouvoir acheter les livres et les revendre. Ces libraires attendent, par exemple, que les éditeurs qui ont dépensé pour pouvoir sortir ces livres-là, pour pouvoir les amener au Cameroun, que les éditeurs leur donnent ces livres à crédit, ce qui n'est pas possible. Oui, vous savez, les livres sont au Cameroun parce qu'imprimés à l'extérieur. Tout à fait. Et on a dû payer la douane, il y a un certain... Et on paye la douane parce que il faut revenir à... Il y a un problème de cloisonnement dans le fonctionnement du gouvernement qu'il faut observer. Vous savez que le ministre de la Communication avait pris une note pour pouvoir demander l'exonération de tous les intrants pour les imprimeurs. Ça n'a pas été appliqué au niveau du ministère des Finances. Et c'est pour ça que la plupart des livres sont imprimés à l'extérieur. Mon problème, le problème que je posais, c'était simplement de dire que... Il y a peut-être également la capacité des imprimeries locales à imprimer des livres en temps réel et en quantité, Guizogo. Nous avons des imprimeurs. C'est vrai que même dans la presse, on le vit ici, il y a des journaux qu'on ne peut pas toujours imprimer ici, la qualité, notamment les magazines, on le vit bien qu'il faut toujours recourir à l'extérieur. C'est exactement ce qu'il en est à propos du livre scolaire qui est imprimé majoritairement en Chine, comme on le sait. Et donc à partir de ce moment-là, il y a une question des coûts qui se pose. Et d'ailleurs, il y avait une option qui a été annoncée, mais qui visiblement est en train d'être abandonnée, c'était de mettre à la disposition del Campost
75 bureaux de poste au Cameroun avaient été, on nous l'avait annoncé il y a quelques jours, pour vendre ces livres-là. Mais apparemment, cette piste-là, elle est abandonnée. Donc, on retombe dans le risque du renchérissement des coûts que le gouvernement voulait justement éviter parce que soulagement des parents, parce qu'il y a une décision, un décret de novembre, mais ça montre quand même que quelque part, il y a des flottements. Si on a pris un décret en novembre et qu'on a sorti la liste des livres dans Cameroun Tribune, ça a été fait. Et avec des prix homologués. Alors, on s'attendait à ce qu'il y ait une certaine rigueur dans le timing, mais ce n'est pas le cas. On voit bien que... Mais ça, c'est pas la faute du gouvernement. Ah non, mais il faudrait quand même s'assurer que les choses puissent aller très bien à leur terme. Mais ces choses-là vont déjà plutôt bien parce que lorsque vous interrogez certains parents qui sont de bonne foi, ils vous diront par exemple que pour l'enfant de la maternelle par exemple, c'est à peu près 90% de bénéfices qu'ils font. Et ça, c'est clair, mais 50% dans le secondaire dans le primaire et 25% dans le secondaire. La plupart des parents, à l'heure qu'il est, ne retrouvent pas de livres pour leurs enfants, malheureusement. Mmh. Et donc, nous allons rentrer dans un cycle dès le 3 septembre, nous allons rentrer dans... Le risque est grand que nous rentrions dans un cycle de renchérissement des coûts, loin des prix homologués par le gouvernement, ce qui était bien sûr une bonne initiative, mais qui risque de tomber à l'eau une fois de plus. Parce qu'on n'aura pas veillé à ce que les choses se passent normalement. C'est vrai qu'on va dire que le marché est ouvert, les gens peuvent faire des affaires, mais ce qu'on observe, c'est effectivement qu'il y a une question de marge bénéficiaire. Qui va vraiment tout aller, faire que tout risque d'aller en vrille à l'heure où nous sommes. On espère que nous pouvons espérer que cette situation-là ne se produise pas. Monsieur l'inspecteur, vous pensez également, en ce qui concerne ces livres uniques, pour ne pas seulement parler de ce qui ne marche pas, vous, en tant qu'enseignant, vous pensez qu'en situation de classe, le livre unique crée une sorte d'égalité de chance entre les différents élèves ou les différents candidats aux examens? Oui, et toute question de coefficient intellectuel mis à part, et toute question de bénéfices environnementaux mis à part aussi, parce que on peut avoir le même livre unique, mais si on a la possibilité d'accéder à la bibliothèque paternelle qui est déjà fournie, et je crois qu'on ne va pas réaliser le même score scolaire que ses camarades. Mais ce que je crois en tant que pédagogue, c'est que ce livre unique évite le dispersement. Il évite l'émiettement. Parce que l'enfant l'utilise comme une espèce d'encyclopédie dans laquelle tout se tient. Et de cette manière-là, il évite donc d'être dispersé. Parce qu'on a vu que l'ancienne option nécessitait un suivi parental intense. Et il y avait des moments où, en situation de classe, l'élève déclare qu'il a oublié, ça, toute chose qui doit aller ensemble pour que vraiment sa prise en main en situation de classe soit effective. Alors, nous allons continuer à parler de ces réformes-là. Je voudrais maintenant que vous nous parliez de la nouvelle approche pédagogique. De quoi il s'agit exactement? Oui, je ne vais pas revenir sur l'historique de cette nouvelle approche. Elle je dirais tout simplement qu'il s'agit d'une initiative gouvernementale stratégiquement programmée depuis plus de deux décennies. Cette initiative est adossée à trois documents cadres. Il y a la loi de l'orientation de 1998, il y a le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, il y a le document de stratégie pour l'éducation et la formation. C'est trois documents cadres qui commandent donc la nécessité de revisiter la manière de transmettre le pouvoir, et il faut le dire, les connaissances. Et il s'agit d'en finir avec les méthodes dirigistes, c'est ça? Et le but escompté est qu'il faut faire du savoir un pouvoir. Le savoir doit être une ressource fêtière. Alors comment est-ce que cela se traduit concrètement dans les faits? Comment est-ce que cela se traduit? Cela se traduit dans les faits par
la décolonisation d'abord, parce qu'il y a des impératifs. Il faut contextualiser, il faut arrimer les approches à la modernité, parce que je vais faire allusion aux anciennes approches, l'approche par les contenus. Bon, alors, l'enseignant arrivait dans sa classe, et puis il déblatérait dans tous les sens. Il n'avait même pas lieu de lui poser des questions, parce qu'il fallait ingurgiter tout ce qu'il disait. Donc, ensuite, on a vu que cette approche-là ne contribuait pas efficacement à l'acquisition de la connaissance. On est allé à l'approche par les objectifs. Et cette approche par les objectifs, elle-même, a atteint sa date de péremption. Parce qu'au fur et à mesure que le savoir se complexifie, il faut aussi penser à d'autres manières de partitionner pas pédagogiquement. Ce que nous aimerions savoir, monsieur l'inspecteur, permettez que je vous coupe, ce que nous aimerions savoir, c'est qu'est-ce qui change concrètement pour l'élève qui vous écoute ce soir? Qu'est-ce qui va changer dès demain? Ce n'est pas seulement dès demain. L'approche par les compétences est déjà mise en train. Depuis... Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Je voudrais que nous avancions dans ce le débat. Qu'il y a de nouveau, je reprécise c'est que, ma question, ce qu'il y a de nouveau, c'est que les enseignants de moins en moins sont dirigistes. Les enseignants placent l'apprenant au centre de l'entreprise d'acquisition du savoir et ils l'accompagnent tout simplement. Ils ne le forcent pas. C'est noté. Alors, l'autre réforme dont on a beaucoup parlé en cette veille de rentrée scolaire, c'est l'introduction de la philosophie en classe de seconde. Oui. Pourquoi? Pour des raisons multiples. Et je m'en réjouis énormément. La première raison, et pour ceux qui ont fait de l'humanité, c'est que de cette manière-là... Vous êtes inspecteur pédagogie nationale et chef de la section philosophie, donc on comprend que vous soyez... De cette manière-là... Que cette réforme vous réjouisse. Oui. La philosophie est vraiment démocratisée. Parce que elle était comme réservée à une certaine élite d'apprenants. Donc aujourd'hui, elle est démocratisée. C'est-à-dire qu'on va la sortir des classes terminales pour la partager avec d'autres classes. Voilà la première chose qu'on gagne, c'est que les élèves de seconde peuvent aussi accéder à la fierté de faire de la philosophie. La deuxième chose, c'est que cela me rappelle l'ancien gérant intellectuel, parce que, savez-vous, il y avait une classe de propédeutique, ensuite une classe de rhétorique, et enfin la classe de philosophie en tant que telle. Donc on rentre vraiment dans ce triptyque-là qui consacrait ce qu'on appelait à l'époque les humanités. Et je crois que de cette manière-là aussi, ceux qui n'auront pas fait leur second cycle et ceux qui n'auront pas fait la philosophie se sentiront frustrés parce que on reconnaîtrait qu'ils n'ont pas fait leurs humanités. Et il y a une autre chose, c'est l'import moral. Parce que, ne l'oublions pas, philosopher, c'est citoyenniser. Ce n'est pas moi qui ai demandé à l'UNESCO de déclarer que la philosophie est la mère des sciences et la reine des sciences humaines. Et vous comprenez que plus tôt on met la philosophie à la disposition des apprenants, mieux on citoyennise, mieux on socratise. C'est bien noté. Alors, docteur Étienne de Taillot, êtes-vous de cet avis? Ce qui vous intéresse, c'est plutôt le contenu des modules qui sont dispensés dans nos différentes écoles. Nos différentes écoles, autant pour moi, vous pensez que le Cameroun, j'ai envie de dire, a besoin de plus de techniciens que de philosophes, par exemple? Vous ne citez que cet exemple-là. Je pourrais dire autre chose. Je pense. Non, j'ai dit ceci. Nous devons... on parle souvent d'adéquation, formation, emploi. C'est ça qui est important pour moi. Parce que nos pays, c'est des pays qui sont en voie de développement, comme on dit, et on doit être très pratique. C'est-à-dire qu'il y aura une catégorie toujours qui fera
la philosophie, mais il faudrait qu'on mette beaucoup plus l'accent sur des métiers, sur un certain nombre de formations qui rendent les élèves pratiques. Vous voyez, aujourd'hui, je suis très gêné quand je rencontre des enfants, ils vous disent, j'ai un master 2 en telle chose, master 2 en telle chose, mais à la fin, vous constatez qu'ils ne maîtrisent rien de particulier. Donc, c'est un peu ça. Donc, ce qui m'intéresse, c'est le contenu des modules. Et puis, je voudrais que ça participe d'une approche systémique. C'est-à-dire qu'on comprenne qu'on forme parce qu'on voudrait que tel pourcentage puisse s'occuper de telle chose, tel pourcentage puisse s'occuper de telle chose. Et que, bon, les plus, les autres peuvent s'occuper de la philosophie. C'est bien de la ramener en classe de seconde pour permettre aux enfants de s'ouvrir, parce que la philosophie, c'est pour ouvrir et laisser entrer la connaissance. Sylvain Anjango, l'autre innovation dont nous avons parlé, c'est le paiement des frais de scolarité par mobile money. Et vous pensez que cette mesure va limiter, j'ai envie de parler, les malversations dont on a souvent entendu parler par le passé? En effet, vous avez sans doute parfois entendu dans la chronique mondaine ces histoires quand même déconcertantes des responsables d'établissement qui ont pris la clé des champs avec les frais de dossier, les frais d'examen. Je crois que pour moi, c'est une action salutaire qui devrait quand même pouvoir limiter ces dérives-là payées par Mobile Money. Déjà, ça évite par exemple les déplacements et même au niveau de la manutention de l'argent. Lorsque vous déplacez avec de l'argent, il y a des risques dans les taxis où vous pouvez être agressé, on peut vous soutirer cet argent. Et donc aujourd'hui, un parent à partir de son salon peut payer les frais de dossier de son enfant sans prendre ces risques-là. Seulement, cette mesure quand même devait être accompagnée par exemple pour les zones rurales, parce que nous réfléchissons ici comme si tout le monde à Yaoundé ou à Douala, mais vous savez qu'il y a des zones dans ce pays où il n'y a pas d'électricité, où il n'y a pas le réseau téléphonique. Donc, je ne sais pas si les autorités du secteur de l'éducation ont prévu quand même des mesures pour cela, pour quand même pallier ce problème d'énergie, de réseau, pour que tout le monde puisse payer facilement ses frais. Et donc, pour moi, je pense qu'il y a un côté qui a été quand même, il y a un pan du problème qui a été résolu, mais il y a un autre qui demeure entier. Guizogo. Oui, justement, concernant d'abord la philosophie en classe de seconde, je pense qu'on change là un débat qui est vieux, autant que celui sur le probatoire qui reste à lever aussi. Qui reste pendant. Ah oui, qui reste pendant, mais il faudra bien qu'on y vienne aussi sur la question du probatoire. Mais déjà, la philosophie, c'est une bonne chose, puisqu'on a la possibilité d'étaler sur 3 années, parce que ce qui se passe d'ordinaire, c'est qu'un élève qui arrivait, ce qui se passait d'ordinaire, c'est qu'un élève qui arrivait en terminale, il y avait le choc brutal de la rencontre avec la philosophie, des grands concepts qu'on n'avait forcément pas eu le temps de manier, les auteurs, donc la pensée pouvait sembler hermétique. Donc, en étalant sur 3 ans, c'est une très bonne chose. Ça permet aux jeunes apprenants de manier ces concepts-là à partir de seconde, première et puis terminale. Je pense que au bout, en terminale, on aura des meilleurs résultats en ce qui concerne cette discipline, notamment au baccalauréat. Je suis à peu près convaincu qu'on arrive à ces meilleurs résultats-là. Alors, Mais en ce qui concerne, je crois qu'il y a aussi les langues nationales qui ont été introduites. C'est aussi une bonne chose qu'il faut relever. En ce qui concerne les paiements, effectivement, on a eu tellement de scandales ces dernières années. Il était quand même temps d'arrêter cela avec des chefs d'établissement qui sont parfois amusés à aller faire des placements avec les frais d'examen des élèves avant de se retrouver dans des situations très compliquées. Et il va juste rester le pan dont parlait Sylvain. Il faudrait que l'on sache que la majorité d'ailleurs de nos élèves parfois se trouvent en zone rurale. Il faut bien adresser cette question-là aussi pour qu'on puisse mettre tout le monde sur le même pied d'égalité en ce qui concerne ces paiements. Je souhaitais quand même réagir par rapport à cette affaire d'approche par les compétences. On a eu un scandale, je crois, il y a 2 ans, une épreuve de BEPC où on parlait d'un homme
qui était, si s'est retrouvé avec une femme dans une chambre d'hôtel et ont demandé aux élèves de troisième de résoudre ce problème. Moi, je n'ai pas compris. Et c'est pour cela que je dis qu'à un moment, il faut quand même qu'on puisse intérioriser certains concepts venus d'ailleurs, qu'on puisse quand même les tropicaliser, qu'on puisse les domestiquer. Parce que moi, je n'ai pas compris comment un élève de troisième, les enfants en troisième ont généralement 13 ans, 14 ans, c'est un enfant de troisième, parfois un peu moins, un enfant qui gère des problèmes, je ne sais pas s'il voulait qu'on parle de problèmes d'infidélité ou de concubinage, on n'a pas très bien compris. Donc, pour moi, à un moment, il faut quand même adresser ces questions-là pour qu'on puisse domestiquer des concepts qui nous viennent d'ailleurs. Parce que, comme tu le dis très bien, il y a des concepts encore qui arrivent. Nous avons vent de ce qui se passe outre-mer. Et donc, faisons attention à tout ce que nous mettons dans notre système. Tout n'est pas forcément bon. Tout n'est pas forcément mauvais. Alors, monsieur l'inspecteur, pour finir, concernant justement ces réformes-là, les enseignants ont-ils eu le temps de s'imprégner de ces nouveaux programmes? Pour une certaine opinion, non. Et vous, que répondez-vous à cela? Les enseignants, je voulais d'abord réagir en quelques secondes, s'il vous plaît. Par rapport à la préhension. En quelques secondes, oui. Je voulais d'abord réagir par rapport à la préhension de mon Sylvain Django. Il y a une technologie de montage d'une épreuve. Ce n'est pas le fait de l'APC. Ça va arriver par rapport à toutes les autres approches. Comme cette fois-là. Donc, je ne suis pas au courant, je l'avoue, mais ça peut arriver. Et il s'agit là d'un dysfonctionnement lors de l'élaboration de l'épreuve. Parce que l'épreuve n'est pas seulement épreuve pour l'apprenant, l'épreuve est aussi épreuve pour l'enseignant. Et c'est pour cela que nous soumettons nous-mêmes, nous nous prêtons à ce qu'on appelle le cobayage. Parce que nous nous prenons nous-mêmes pour des cobayes avant de lancer une épreuve. Alors lorsqu'une épreuve comme celle-là arrive, les perdants, c'est bien les élèves? Oui, des mesures sont toujours prises par les structures. Quel genre de mesures? Par les structures qui gèrent les examens. C'est des mesures visant à ne pas frustrer les apprenants et à tenir compte de la dérive constatée. On ne cherchera pas à savoir ce que vous faites. C'est sûr que vous ne nous le direz pas. Je voudrais que vous répondiez à la question, celle de savoir si les enseignants ont eu le temps de s'imprimer des réformes. Une certaine opinion dit non, répond par la négative. Vous dites heureusement quoi? Que c'est une certaine opinion. Vous dites quoi? Tous les enseignants sont imprégnés depuis plus d'une décennie. Ils sont imprégnés. Et Mme Ligieux, cette année, a pris sur elle d'envoyer les inspecteurs et les inspecteurs nationaux et les inspecteurs régionaux dans les confins de la nation pour que tous les enseignants, même ceux qui sont dans les zones les plus reculées, prennent la main par rapport à cette nouvelle approche. C'est bien noté. Nous allons marquer un autre arrêt dans cette édition de Scène de presse. Nous allons retrouver Laetitia Onana, que nous avions déjà écoutée, qui nous parle de la guerre entre les libraires et les éditeurs. Laetitia Onana, donc en zooming dans cette édition de Scène de presse à propos donc de la disponibilité des manuels scolaires. Elle revient donc sur la guerre entre les libraires et les éditeurs. Nous l'avons dit au cours de cette édition de Scène de presse, les livres sont bel et bien disponibles, mais les libraires ne parviennent pas encore à les acheter. C'est pour ça que dans certaines librairie, on ne retrouve pas tous les livres dans les rayons. Que se passe-t-il concrètement? Réponse dans ce reportage de Laetitia Onana. Sur la longue liste des fournitures de cette rentrée scolaire 2018-2019, cet outil pédagogique indispensable pour véhiculer le savoir à l'école fait pourtant l'objet de polémiques en cette veille de reprise des classes. Les livres sont bel et bien, pour leur grande majorité, disponibles, mais dans les bonnes librairies qui ont de l'argent pour faire des approvisionnements auprès des éditeurs.
ceux qui prétendent qu'il n'y a pas de livres dans les librairies, ce sont les petits libraires qui parfois n'offrent aucune garantie aux éditeurs que les livres vont être vendus et les paiements effectués. Montré du doigt, le syndicat national des libraires et papetiers du Cameroun se défend. Les livres sont bel et bien disponibles dans les maisons d'édition. Nous ne serons distribués, accepter la distribution des livres dont les éditeurs ne respectent pas la marge bénéficiaire des années antérieures. Ce n'est pas loyal ce que ces éditeurs ont fait. Asva, Dove, Aphrodite, Vivans et consorts, leurs ouvrages, les parents peuvent aller dans les domiciles de ces éditeurs pour acheter les livres. Si les quelques éditeurs dont nous avons cité ici réussissent à imposer leurs 10% ou leurs 15% de remise, alors tout le monde va s'engouffrer et finalement le libraire va devenir l'esclave de l'industrie du livre au Cameroun. Entente ou pas entre les parties en cause, le train de la rentrée scolaire quittera la gare ce lundi 3 septembre 2018. Retour sur le plateau de Scène de Presse et nous accueillons sur ce plateau Fabien Tata. Bonsoir. Ferdinand Tata, qui est opérateur économique, qui a fait ses études en Chine pendant 4 ans et qui avait un bureau de fret pour aider les Camerounais, on va dire aider entre guillemets, hein, pour aider les Camerounais à transporter leurs marchandises de la Chine vers le Cameroun. Et cette affaire-là a duré 7 ans. Alors dites-nous, il y a un forum s'ouvre, donc la 7e édition du forum Chine-Afrique s'ouvre demain en Chine. Pour vous, c'est une opportunité d'affaires pour les opérateurs économiques? Bonjour madame, merci déjà de m'avoir invité sur ce plateau. Je peux dire tout simplement que opportunité, oui, mais un peu entre guillemets. Opportunité, oui, pourquoi? Oui, parce que... C'est une occasion d'échange? Oui, c'est vrai que échange, mais au sommet. Parce que, vous savez, nous sommes chez nous, les entreprises, et également le commerce, se fait encore un peu, comment on peut appeler ça, enfin nous ne sommes pas, c'est encore, vous allez vulgairement, ça se fait encore de manière embryonnaire. Embryonnaire, voilà. Embryonnaire, c'est encore embryonnaire, mais seulement, vous savez que ceux qui participent aujourd'hui au forum, c'est un peu le sommet, ce qui fait que le petit commerçant que nous connaissons de tous les jours. Mais pour déblayer le chemin, on a besoin que le sommet travaille. Je sais, on a besoin que le sommet travaille. Mm-hmm. Mais également, on aurait aussi eu besoin des petits pour ouvrir la route à presque tout le monde. Mm-hmm. C'est vrai, cette opportunité, elle s'est ouverte. C'est bon pour nous tous, mais seulement... C'est pas quand même le clair. Je sais de quoi vous parlez, je vous promets qu'on va revenir sur cet aspect-là dans quelques instants. Alors, Guizogo, dites-nous, les relations Chine-Afrique, c'est une solution moins contraignante pour les problèmes, des décisions moins contraignantes aux problèmes du continent africain? Oui, sur le plan économique. D'une certaine manière, peut-être pas sur le plan économique, mais d'abord sur le plan politique, avec forcément des retombées au plan économique. C'est sûr, c'est que pour un nombre de dirigeants africains, il n'y a pas de contraintes. La Chine n'est pas le type de pays à poser des questions, à poser des contraintes. On est très loin de l'argument du sommet de la Bolle. Avec Mitterrand. On est très loin des rodomontades de la France, de temps en temps des pays occidentaux. Non, on est dans une autre configuration qui est effectivement moins contraignante pour les dirigeants africains. Et en plus de cela, donc, vous avez le portefeuille chinois qui est quand même un peu plus souple vis-à-vis de l'Afrique. Et ça, c'est effectivement un avantage que les États africains peuvent trouver une oreille attentive qu'ils peuvent trouver du côté de Beijing, comme on le voit avec ce 7e sommet et puis avec de nombreux investissements de la Chine qu'on enregistre sur le continent africain jusqu'ici, pour ainsi dire. Mais simplement, il faut éviter
à la longue que il y a une sorte de trop grande dépense vis-à-vis de la Chine et qui nous ramène finalement à cette dépendance qu'on avait aussi vis-à-vis de l'Occident et dans laquelle, de laquelle on veut pourtant sortir en allant vers la Chine. Donc là, il y a une vraie interrogation qui reste pendante. Alors, parlons maintenant des relations entre le Cameroun et la Chine. Le président de la République s'est rendu en Chine pour la deuxième fois en cinq mois et c'est sa septième visite en Chine. Alors, Sylvain Ndiango, sur une échelle de 1 à 10, selon vous, où situez-vous la coopération économique entre le Cameroun et la Chine? Vous savez qu'entre États, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Donc, chacun va dans ce partenariat, dans cette coopération avec la volonté de gagner quelque chose. Si on prend le cas du Cameroun et même le dernier discours du président prononcé à l'issue de la rencontre avec le président Xi Jinping, le président de la République, par exemple, a plaidé pour une annulation partielle au total de la dette du Cameroun qui est, vis-à-vis de la Chine qui est estimée à près de 3 000 milliards. Le Cameroun, par exemple, a obtenu de la Chine une aide de 1,7 milliard pour ce qui concerne le plan humanitaire qui a été engagé dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Donc, c'est un peu une sorte de relation où chacun essaie de gagner quelque chose. Parce que dites-vous bien que la Chine, même Guy Zogo, semblait dire qu'il n'y a pas beaucoup de contraintes, mais en réalité, il y a quand même des petites contraintes. Lors de la dernière visite du vice-ministre chinois chargé des affaires avec l'Afrique, c'était en novembre dernier, il y avait eu un plaidoyer qui avait été engagé par le Cameroun parce que la Chine avait durci les conditionnalités de ses financements à l'endroit du Cameroun, notamment pour ce qui concerne l'autoroute Yaoundé-Douala, 277 milliards qui avaient été donnés par la Chine pour la première phase, mais également de l'argent pour les achats des MA-62 avions chinois. Il y a également eu des financements pour le port de Kribi, près de 200 milliards et 300 millions pour pratiquement 600 milliards. Et la Chine reprochait au Cameroun ne pas respecter les causes contractuelles dans le remboursement de cet argent. Notamment. Et donc, la Chine a décidé donc, de durcir les conditionnalités, parfois même fermer certains guichets. Et le Cameroun, actuellement, est en mode de séduction parce que le Cameroun a beaucoup à gagner avec ce partenaire. Alors, avec ce partenaire. Justement, docteur Étienne Taïo, vous avez commis un ouvrage, « Tout chemin mène en Chine », c'est bien cela. Alors, dites-nous, Sylvain vient de nous dire que le Cameroun a plus intérêt à faire affaire avec la Chine. C'est votre point de vue également? Oui, avant que de donner le point de vue, Lucrèce, vous me permettrez, parce que j'ai commis ce livre justement, de donner nous n'avons juste pas beaucoup de temps, juste en quelques secondes. Oui, juste en quelques secondes, parce que, comme je le dis, ce livre procède de ce que j'appelle un complexe réflexionnel. C'est-à-dire que j'ai eu à réfléchir pendant longtemps sur la gouvernance mondiale. Je suis arrivé à la conclusion qu'il y a un pays qui propose un partenariat gagnant-gagnant avec l'Afrique, qui sort d'un partenariat avec d'autres puissances. Et en regardant les réalisations de la Chine sur moins de 20 ans, je suis arrivé à la conclusion en disant « essayons la Chine ». Et vous venez de le dire, le chef de l'État est à son septième voyage. Et il est à son troisième voyage dans la décennie 2010, son deuxième voyage en 2008. Moi, je pense, en 2018, moi, je pense que le chef de l'État a pris l'option de la Chine comme étant la puissance qui doit l'accompagner dans l'atteinte de 2035. Alors, justement, quel est l'intérêt pour le Cameroun de faire affaire avec la Chine? L'intérêt pour le Cameroun, chaque pays voudrait avoir un partenaire qui l'aide à se développer. Parce que si le Cameroun avait d'autres partenaires, et on fait le bilan, on se demande pourquoi pendant près de 50 ans, même si on remonte sur un siècle, pourquoi on n'a pas pu avoir une autoroute entre Douala et Yaoundé? Pourquoi on n'a pas pu avoir un port en eau profonde? C'est le Kribi ou sur Limbé. Aujourd'hui, on l'a. Aujourd'hui, c'est des réalisations qui sont là, qui sont concrètes. Moi, je pense qu'un pays comme le nôtre, qui dispose, qui n'est pas
Le Cameroun n'est pas un pays mendiant. Mm-hmm. On ne demande pas. Le Cameroun dispose des ressources naturelles qui lui permettent, qui sont des gages, qui peuvent lui permettre de s'endetter auprès des pays pour se développer. Alors, c'est bien noté, il faut quand même relever que le Cameroun et la République populaire de Chine entretiennent ces relations depuis 1971. On peut noter comme récolte de cette coopération les barrages hydroélectriques, notamment le barrage de Lac d'Eau. On a eu le palais des congrès, on a eu des équipes médicales en Balmayo et à Guider, mais plus récemment encore le barrage de Lompanga, de Mvelo, l'autoroute Yaoundé Douala, la route Kumbaman, enfin l'autoroute Yaoundé-Douala qui est en cours et puis les hôpitaux gynéco-obstétriques. Mais comment faire en sorte que les opérateurs économiques gagnent davantage des parts de marché en Chine? C'est un marché de 1,5 milliard de consommateurs. Tu peux. Merci madame. Pour éviter que la balance de paiement dont venait de parler mon voisin ne se creuse beaucoup plus. Je pense qu'il est souhaitable que nos hommes d'affaires, que ce soit ceux qui sont au sommet ou les plus petits, ceux qui sont dans l'informel, qu'ils trouvent moyen de pouvoir vendre aux Chinois. Parce qu'il ne suffit pas toujours de continuer d'acheter aux Chinois tout le temps. Il faut que nous trouvions le moyen de vendre du made in Cameroun aux Chinois. Est-ce que vous avez eu du mal à intégrer ce marché-là lorsque vous y étiez? Oui, j'ai eu sérieusement du mal. Je crois certainement que ça ne va pas trop plaire à certains amis chinois. Vous voyez, les Chinois font jusqu'à l'informel chez nous. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à vendre des beignets. Mais seulement, c'est très difficile, même quand vous avez les moyens, vous, Africains ou Camerounais, d'investir en Chine. C'est vraiment complexe. Je prends mon cas, sincèrement. Moi, j'ai pu investir plus de 7 millions pour ouvrir un bureau. Un bureau, puisque j'ai une entreprise normale au Cameroun, pour ouvrir juste un bureau en Chine. Et même jusque-là, ce n'était pas facile. Je crois que certains membres de la délégation du chef de l'État devaient pouvoir négocier cette partie-là. Moi, par exemple, je pouvais bien vendre de notre café. Les Chinois raffolent du café. Mais seulement, personne ne peut me permettre de le vendre plus facilement. La chambre de commerce de la ville où j'ai pu investir de l'argent, il y a juste des petits documents qu'elle alors, ne pourra pas me délivrer. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? C'est effectivement le sommet qui devrait le négocier pour nous autres. Et vous voyez donc, pour cela, ça n'empêchera pas la balance de paiement de continuer de se creuser en notre défaveur. Etienne Taillot, en quelques secondes. Oui, en quelques secondes. Comment faire pour que le Cameroun tire davantage de bénéfices de cette bonne relation qu'elle entretient avec lui? Oui, si vous regardez, vous voyez que la Chine aide le Cameroun à investir dans ce qu'on appelle les projets structurants. Tout à fait. Pour industrialiser un pays, il faut de l'énergie. Et c'est pour ça que le président s'est investi dans la construction des barrages. C'est pour ça qu'il y a une autoroute entre Douala et Yaoundé. Demain, il y aura des industries au Cameroun qui vont produire et pouvoir écouler en Chine. Ça, c'est il faut aussi de la qualité pour pouvoir le faire. Et il faut pouvoir avoir des industries qui font la quantité aussi. Donc, moi, je pense que l'investissement dans les projets structurants préfigure déjà ce que le Cameroun peut faire demain pour essayer d'équilibrer la balance commerciale. Gizogo. Oui, mais bon, ça peut venir dans 30 ans ou 40 ans. C'est quand même lointain. Pour un investisseur, qui a mis 7 millions, alors tout ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'il y ait cette réciprocité immédiate. Parce que quand vous êtes à Pékin, vous ne verrez pas pour prendre des produits basiques au Cameroun, vous ne mangerez pas de bâton de manioc, vous ne verrez pas d'avocat, vous n'aurez pas d'ananas. Vous faites pourtant l'entrée interne. Pourtant, les Chinois ont développé, quand vous retrouvez dans la capitale chinoise, il y a tellement de restaurants. Le secteur de la gastronomie, pour ne prendre que celui-là, c'est un point sur lequel on peut commencer
avant de continuer sur d'autres pour essayer de réduire ces déséquilibres de la balance. Effectivement, il s'agit aussi de montrer un peu de tenacité dans cette coopération avec la Chine. C'est de cela qu'il est question. Sans oublier, sans jeter la question, ce que vous venez de dire est vraiment important. On va industrialiser avec les projets structurants, c'est vrai, mais il y a l'immédiat, il y a le petit investisseur qui a dit ça. Nous avons des industries qui font du café moulu. Absolument. Ce café moulu pouvait déjà se vendre sur la Chine depuis plus de 10 ans. Absolument. Mais seulement, j'ai apporté, pour la petite histoire, j'en ai apporté quelques sachets de notre café moulu en Chine. Les restaurants qui ont pris ce café l'ont apprécié. Mais seulement, je n'ai pas pu importer un conteneur de notre café sur la Chine parce que c'est extrêmement complexe. Alors que nous, ici, nous recevons jusqu'au cure d'âme chinois et tout le reste. Donc, Sylvain, en quelques secondes. Effectivement, on peut également envisager la piste même d'un accord de partenariat économique avec la Chine, parce que la réflexion est lancée même avec notre voisin nigérian. Autant on a un accord de partenariat économique avec l'Union européenne, on peut également envisager un accord de partenariat avec la Chine, parce que nous sommes aujourd'hui totalement inondés, même jusqu'au cure d'âme. Au Cameroun, les cure-dents sont fabriqués en Chine. Donc, on peut également faire cette piste-là. Madame, monsieur, nous allons marquer un autre arrêt dans cette édition de Scène de presse. Et nous allons retrouver Agnès Solange à Bessolo pour les unes du lundi. Bonsoir, Agnès Solange. Bonsoir, Lucrèce. Plaisir renouvelé, madame, monsieur. Alors, les unes des journaux de ce lundi décodent les préceptes de l'économie et de la politique. Mutation joue d'ailleurs le jeu et ouvre le bal des alliances programmées dans le cadre de la présidentielle 2018. Des coalitions qui se forment ça et là et qui emmènent le quotidien à se prononcer sur les tractations et qui précède donc les alliances à presque un mois du scrutin présidentiel. En page 7, c'est l'analyse d'un politologue. Le spécialiste abordera certainement aussi, comme le quotidien de l'économie, la relation qui existerait entre le candidat Kérémouna et le parti politique Manidem. Mais les finances restent sans aucun doute le nerf de la guerre et dès 2019, la taxe foncière sur la facture de l'électricité sera donc reconnue, titre le journal de Thierry Ecouti, qui poursuit que la mesure toujours attendue vise l'augmentation des recettes non pétrolières. Alors que le financier d'Afrique semble avoir trouvé la solution, des solutions donc aux obstacles du commerce agricole en zone CEMAC. Le titre suggère l'amélioration des points de contrôle et un nombre important de points pour garantir l'efficacité dans l'installation des entrepôts selon la Banque mondiale, dit le journal. Rentrée scolaire 2018-2019, demain le grand jour. Et Éco-Santé affiche en Sahul l'alerte rouge. Le choléra continue d'avancer. Le journal poursuit que selon le dernier rapport officiel du ministère de la Santé publique camerounais, l'on dénombre 235 cas suspects, 23 cas confirmés, 17 décès cumulés pour un taux de létalité de 9,9% au nord et 1,6% au centre. Des résultats donc qui ont été enregistrés. Des médecins qui rappellent donc dans les colonnes du journal que le non-respect des règles d'hygiène et l'usage de l'eau non potable restent les premières causes de la résistance de cette maladie. Première cause de résistance donc de cette maladie. Voilà Lucrèce pour la une de ce 3 septembre 2018. Pour plus d'informations, je vous donne rendez-vous en kiosque. Bonsoir. Bonsoir Agnès Solange à Bessolo. Merci. Juste un dernier tour de table. On parlait tantôt de cette capacité des Camerounais, de cette incapacité des Camerounais à percer ou alors à atteindre le marché chinois. Sylvain Django, est-ce que ce n'est pas également de la faute des Camerounais eux-mêmes qui ne parviennent pas toujours à monter des projets? Bien évidemment, ou alors à présenter des projets matures? Bien évidemment, si vous prenez par exemple le domaine du bois,
Aujourd'hui, le bois camerounais est boudé sur le marché chinois parce que les Chinois le trouvent cher. Mais il est question quand même pour le Cameroun de commencer à faire ce qu'on appelle la première, la deuxième transformation, de proposer des produits et maintenant, comme je le disais, de trouver des accords avec un pays comme la Chine qui n'a pas forcément les mêmes exigences que l'Union européenne pour pouvoir accueillir les produits camerounais qui peuvent se vendre sur place où il y a un potentiel. Mon voisin de droite a pris l'exemple tout à l'heure du café. On peut faire des affaires dans ce pays-là, dans le domaine du café, parce que c'est un café quand même qui est apprécié. Et également dans le domaine, on prenait par exemple le domaine, moi je vois par exemple ici des boutiques chinoises partout, ici, à Yaoundé, à Douala. Le Cameroun également devrait avoir un principe de réciprocité pour que le Cameroun puisse aussi ouvrir des boutiques facilement là-bas, comme ça se fait ici au Cameroun. Le Cameroun est par exemple un grand consommateur des motos, moutons qui sont fabriqués, on voit les enfants et autres qui sont au Cameroun. Cameroun devrait quand même, en tant que bon client, bénéficier de certaines franchises ou des produits que le Cameroun veut vendre sur place en Chine. Etienne Taillot. Oui, je voudrais dire que si j'ai écrit tout chemin en Chine, c'est pas simplement pour qu'on aille en Chine chercher des financements et autres. C'est pour qu'on aille aussi s'inspirer du modèle chinois. Voilà. Parce que le modèle chinois, pour schématiser, tient parfois en un triptyque qui est le travail, la discipline, le patriotisme. Et nous pouvons apprendre cela. Parce qu'au bout du compte, il faudrait que nous mettions en place un socle industriel du Cameroun, non pas simplement pour chercher le marché chinois. Nous sommes une locomotive de la sous-région. Nous pouvons faire des affaires avec le Nigeria, qui est une grande puissance à côté de nous. Nous pouvons faire des affaires avec d'autres partenaires moins éloignés que la Chine. Mais il faut déjà que nous puissions copier chez le Chinois, nous demander comment en moins de 40 ans, un pays est devenu une puissance économique dans le monde. Qui était appelé avant le géant au pied d'argile. Qui était appelé le géant au pied d'argile. Et le Chinois était appelé l'ouvrier du monde. Et la Chine était appelée la grande industrie du monde. On ne voyait pas en le Chinois quelqu'un qui pouvait, à travers le prisme financier et autres, pouvoir arriver au niveau où il est arrivé aujourd'hui. Et je voudrais que nous puissions regarder, ne pas aller chercher des poissons en Chine, vous connaissez l'adage, mais apprendre à pêcher. Parce que demain, nous reviendrons demander du poisson, alors que si nous avons appris à pêcher, on serait... Zago, vous partagez cet avis en quelques secondes. Oui, donc si on partage cet avis, mais sauf qu'il faudrait quand même ajouter qu'au-delà, il faudra que la question du leadership aussi soit beaucoup plus affirmé, parce que quand vous observez la Chine en Afrique, elle a des points d'attache très très importants, par exemple avec l'Éthiopie, quand vous arrivez à l'Ouganda, vous comprenez que la Chine a plus mise beaucoup plus sur ces pays que sur d'autres. Par exemple, le Cameroun risque d'être simplement un comptoir où la Chine envoie ses produits, investit sur quelques grands projets, mais ne va pas plus loin que ça, parce que nous avons aussi souvent des soucis avec le leadership, il faudra bien qu'on y réfléchisse. Ferdinand Tata, un dernier mot sur la question. Oui, je suis du même avis. C'est vrai que, sincèrement, on irait à apprendre un peu les Chinois. Ils sont travailleurs, ça c'est officiel. Ils sont patriotes, le Chinois d'abord et l'étranger après. Ça c'est automatique aussi. Travailleurs. Je prends déjà ce premier point. Il se lève très tôt et travaille jusqu'à tard le soir. Et patriote, vous pouvez rater facilement 10 taxis parce qu'il y a d'autres Chinois qui attendent, dont le taximan tient d'abord compte de son frais chinois. Donc, on retient que les Camerounais doivent travailler autant que les Chinois pour pouvoir espérer atteindre l'émergence escomptée. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition de Scène de Presse. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Merci, messieurs, d'être venus. La presse quitte la scène. Merci, bonsoir.